Hell yes, la Web Rock Station on Vinyl Times Classic Rock Radio, la Madame à Rock sur 213 Rock. Yo baby, comment vas-tu? Il paraît que t'es quelque part dans sur une autoroute française. Hello. Alors, même pas. Alors, je suis sur un parking. Je viens de planter un apéro d'anniversaire pour faire l'émission. Ah, et bien. Je retourne manger juste après, tu vois. Je suis au resto, en fait. Ah, c'est bien. Et donc, du coup, je me dis, moi, je rate pas le Madame à Rock. J'assure. Vinyl Times sur le rock and roll. Et qu'est-ce qu'il y a de plus rock and roll que de planter l'apéro pour venir faire l'émission? Ouais, dis-moi, est-ce qu'il y a des nombrils à ton apéro? Écoute, je vais essayer de te choper le nombril de la personne dont on souhaite l'anniversaire. Dis-moi, serais-tu capable tout de suite là maintenant de chanter Rattlesnake Shake de Motley Crue, Dr. Feelgood? Alors, je vais te dire un truc, non, tout simplement parce qu'en plus je suis aphone. J'ai passé le week-end sur un meeting aérien, j'ai juste plus de voix. J'ai couiné comme un putois tout le week-end. Je pense que potentiellement, je pourrais peut-être avoir la voix de Vince Neil. Est-ce que as-tu fait des bisous sur les nez d'avion avant de commencer? Ouais. 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 J'ai nosquissé le cartouche doré, mon avion que j'aime très fort. Et j'ai nosquissé aussi les avions de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Donc, je t'avoue que j'ai rajouté des petits avions de légende à ma collection. Voilà, tu sais tout. Eh ben, top, c'est cool. Allez, ce soir, les news, c'est parti. Les news, eh ben justement, alors en parlant d'avion, tu vois, je vais faire un détour par le chanteur de Rammstein, Monsieur Lindemann, qui s'est fait gauler en Russie parce qu'en fait, il est censé participer à un festival. Et ce pimpin, puisqu'il n'y a pas d'autre expression, hein, c'est un pimpin, il s'est fait choper parce qu'en fait, il a déclaré à la base qu'il était là pour les vacances. Mais en fait, les flics, ils savent un petit peu tout quand même, les Russes, ils sont malins. C'est malin, un flic russe, on est d'accord. Hein. Mmh. Et du coup, les poulets, ils ont dit quoi? Ils ont dit, pourquoi à la douane, vous avez déclaré que vous venez en vacances alors qu'en fait, vous êtes à l'affiche d'un festival? Bah ouais, c'est pas très malin, tu vois. C'est pas très, très malin. Donc du coup, il s'est fait arrêter. Il s'est retrouvé en tôle quand même, ce couillon. Ouais. Et donc, je te dis ça comme ça. Alors en plus, il a tourné le clip, la vidéo musicale d'une de ses chansons au musée de Saint-Pétersbourg, au musée de l'Ermitage, qui est un des plus gros et beaux musées du monde. Et en fait, il en a fait... il ne va pas publier ce clip comme un clip classique que tu pourrais voir sur MTV ou sur YouTube. Mais en fait, il souhaite le vendre... alors, ils appellent ça maintenant, tu sais, les NFT. Mmh.
Tu vois ce que c'est les œuvres d'art là maintenant, c'est taché de sac de la monnaie virtuelle en fait. La crypto? Et donc tu es ouais, donc du coup tu es propriétaire d'une œuvre virtuelle, machin, enfin c'est un nouveau concept, voilà. Et donc Attends, attends. et donc en fait Tu es propriétaire d'une œuvre virtuelle, c'est ça que tu viens de dire? C'est ouais, c'est fantastique. ça. On te vend de l'air. Mais ouais. Mais attends, alors est-ce que tu te rappelles de cette vidéo, il y a deux petits frères et il y en a un, le bébé il mange le doigt de son grand frère et le grand frère il fait "Ouch, Charlie, that really hurts." Voilà, une vidéo débile qui sert à rien. Et en fait, le mec, il avait cette vidéo sur YouTube depuis des années et il a vendu les droits de cette vidéo pour, je crois que c'est 700 000 dollars. Oh Donc le punaise. mec, il y a quelqu'un qui a acheté ça en crypto-monnaie, qui est aujourd'hui le propriétaire de ce fichier numérique qui est sur YouTube. Voilà. Eh ben, Voilà. Et il y a des gens qui font ça avec des peintures, enfin pas avec des peintures, mais plutôt avec des images, des créations digitales. Et on en parlait il n'y a pas longtemps où je te disais que pour moi, quand j'écoute de la musique sur les, sur Internet, j'aime pas. Moi, j'ai besoin d'avoir le support dans les mains, j'ai besoin d'avoir le livret, j'ai besoin d'avoir le vinyle, j'ai besoin d'avoir une pochette avec des crédits, avec des remerciements à lire, avec les paroles, un travail de graphisme, de photo, machin. Et en fait, je te disais, bah, c'est comme si demain on te dit, bah, je t'offre un Picasso, puis je t'envoie une clé USB avec un JPEG. mais non, mais va au fond de Est-ce que ta. t'as... Non, mais va au fond de la forêt, va rentre dans ta grotte. Mais non, mais en fait. Aujourd'hui, quand on me donne un fichier, une chanson juste sur un fichier numérique, me dire que je vais acheter un album 10 balles, mais que je vais avoir un fichier, je suis désolée. Moi, quand je paye un album, je préfère le payer 20 balles ou 30 balles un import JAP, tu vois, avec une chanson bonus comme on a régulièrement. Mais moi, j'ai besoin d'un support, un visuel, des photos. Tiens. J'ai besoin de tout ça. Moi, me dire que j'ai acheté un disque, mais qu'il est sur mon disque dur ou qu'il est même pire sur le cloud ou sur une plateforme. Mais ça me parle pas. Et je te dis, pour moi, la valeur artistique de la création musicale, elle est dénaturée. Et j'aime bien faire le parallèle en disant que, bah, je suis désolée, moi, si demain tu me dis je t'offre un Picasso, mais que c'est une clé USB avec un fichier, je t'aime beaucoup, mais un fond d'écran sur ma télé signé Picasso, je suis pas sûre que ça vaille vraiment quelque chose lors de mon héritage, tu vois. Ouais, tiens, moi aussi je vais faire ma madame Tu madame Maroc. vas faire ta Madame Maroc, tu vas rouspéter. Non, je vais faire T'es comme aussi, ça, toi. ouais, je vais faire aussi ma madame Maroc, ton ma madame Maroc. J'arrive pas à le dire ce soir, Ah, c'est pas décidément. facile à dire, ma madame Maroc, hein, Ma c'est pas madame facile. Maroc, je vais faire aussi, tu vois, mon fichier numérique. Vas-y, vas-y. Mon fichier numérique, voilà, je te l'ai dit. Vas-y, fais le fichier numérique, voilà. Mais Ben ouais, non, mais c'est vrai, c'est ça. je trouve que ça dénature l'art en lui-même, la musique, Encore si l'objet, la c'est, pièce musicale. encore si c'était en wave, j'aurais bien voulu, mais en MP3, putain, sans déconner quoi. Mais non, mais Ok. c'est tellement la loose, quoi. Enfin, ouais, moi, Mais, et je te jure, hein, j'écoute vachement moins de musique qu'avant parce que j'y arrive pas. Je rentre pas dans le délire. Je rentre pas dans l'univers du groupe si j'ai pas le visuel, si j'ai pas tout, en fait, quoi. Tu me dis, c'est le nouveau machin. Moi, ça me parle pas, quoi. Ouais, Je c'est suis objet. désolée, hein. Ouais, en fait, le CD, c'est l'objet fétichiste, quoi. Il faut que tu le touches, il faut que tu le palpes, Ouais, il faut que tu le CD ou sentes. le vinyle, Vinyle, j'ai envie de ouais. te dire, même le livret que tu développais dans une cassette audio, tu vois, t'avais quand même un support. Moi, je kiffais quand j'écoutais un disque. Tu vois, quand je travaillais chez Hard Rock Magazine et qu'on faisait des écoutes d'albums et qu'on faisait des chroniques, moi, mon kiff, c'était de me poser chez moi le soir, j'écoutais hop l'album comme ça, je me posais dans mon canapé et j'épluchais tout le livret. Je voulais Wow. savoir de quoi ça parlait, je voulais savoir quels étaient les thèmes abordés. Parce qu'en fait, quand tu écoutes une chanson comme ça, tu sais, tu fais pas forcément gaffe dans les paroles ce qui est abordé, en fait. Et à un moment donné, quand tu lis les paroles, pas que les écouter, mais quand tu les lis, tu rentres dans l'histoire, tu sais de quoi ça parle. Des fois, en plus, ça chante plus ou moins bien articulé, donc du coup, tu comprends vraiment tout ce qui est dit. Et pour moi, c'est vachement important et ça me permettait d'être vachement plus proche des artistes. Quand j'allais faire les interviews d'air, regarde, quand tu fais l'interview de Geoff Tate, on est d'accord, il parle pas de n'importe quoi. Il y a vraiment une pensée derrière, il y a vraiment une recherche, un Ah oui, travail historique, un travail politique. Il y a beaucoup de choses derrière. c'est ça. Et pour moi, c'était super important de savoir de quoi j'allais parler. Il y a quelque temps, j'étais avec des gens qui étaient en train de chantonner l'Erita Mitsuko, cette chanson, tu la connais? Le petit train s'en va à la campagne. Tu la connais, cette chanson? Non, j'ai jamais Tu connais écouté. pas? J'ai jamais Eh ben écouté. en fait, c'est la déportation, le petit train. D'accord.
Et cette chanson-là, elle est guirette, mais tu chantes ça l'été sur la plage, tu chantes ça à l'apéro avec tes amis, Alors que les et tu te rends paroles, c'est pas tout compte que. autre. Ouais, Mais alors. la mélodie, c'est la déportation, quoi. Ouais, le sujet Et est en très fait, si tu sensible. te. Mais ouais, et si. Et il y a une autre chanteuse de variété comme ça qui passe régulièrement à la radio, comment elle s'appelle? Suzanne Vega. La chanson, c'est My Name is Luca. Et c'est les violences intrafamiliales et conjugales, en fait. Mais la chanson, c'est une chanson de variété internationale que tu écoutes comme ça à n'importe quelle heure du jour, de la journée, sur des radios de grande écoute. Et tu fais pas gaffe que le message qui est derrière. Très Voilà. sensible. Et pour moi, je pense vraiment. Et en plus, c'est un truc con, hein. Mais tu vas sur Deezer ou sur Spotify ou n'importe quoi, tu n'accèdes pas au fichier parole. Tu n'accèdes pas à un livret virtuel. Donc tu restes juste un auditeur de la chanson, mais tu ne viens pas un lecteur et tu ne vis pas les paroles. Moi, ça me dérange. Et donc tout ça pour revenir sur Monsieur Lindemann, qui lui avait pris donc un super clip. T'imagines, t'as l'opportunité d'aller tourner au Palais de l'Ermitage. Enfin, c'est juste génial. C'est comme quand Jay-Z et Beyoncé ils ont tourné au Louvre à Paris. C'était waouh quoi, tu vois. C'est juste unique. Par contre, eux, ils en ont fait certainement un des clips qui a fait ils sont peut-être dans le top 10 des vues sur YouTube en ayant fait ce truc-là, parce que c'est des gens voilà qui ont une popularité de ouf sur les réseaux. Mais tu dis-t-il, il accède à ce musée phénoménal. Il paraît que si tu passes une seconde devant chaque œuvre du Palais de l'Ermitage, t'as pas assez de ta vie pour toutes les voir. C'est excellent quand même. Ah, ok. Eh C'est ben, fantastique. Non fantastique. mais c'est voilà, une seconde devant chaque œuvre. Je te parle même pas des pas qu'il faut faire pour aller d'une œuvre à l'autre. Donc je trouve ça juste génial en fait. Et voilà, il avait décidé de faire, de vendre ce clip à 10 personnes qu'elle est payée en crypto-monnaie. Donc il se Dis-moi. passe des choses nouvelles. On fait évoluer encore plus la musique dans des choses encore plus modernes, encore plus Bah tiens, tu as trouvé le... Ouais. Tu as trouvé le dématérialisées et voilà. terme. Tu as trouvé le terme. On fait encore plus évoluer la musique. Dis-moi, as-tu entendu Marilyn Manson qui va apparaître sur le nouvel album de Kanye West? Donda. Ouais, alors il fait scandale parce que il invite un mec qui est aujourd'hui qui est soupçonné de viol et d'agression sexuelle. Il invite un autre artiste qui est accusé de phobie. Il a un autre mec qui a fait la violence conjugale puisqu'il avait tapé sur sa compagne à l'époque qui était Rihanna. Et le mec, il invite que. Et alors, est-ce que t'as vu l'album? 2 heures de musique, je crois, ou 27 titres. 27 titres sur l'album. Kanye West, il est ouf, ce mec. Il est juste taré. Il crée, il compose, il crée. Il est apparu sur scène enflammé. C'est un grand malade. Et alors lui, il fait des écoutes dans des stades. Tu vois, nous, quand on faisait des écoutes, on était dans un hôtel à Paris, dans un petit salon, machin. Voilà. Et lui, il fait des écoutes dans des stades. Il a loué 3 stades aux States pour faire les écoutes de son album. Et ils disent, en fait, bah, comme aujourd'hui, les albums, ce qu'on disait tout de suite, c'est dématérialisé, en fait, hein, c'est ça. Il n'y a pas encore le pressage définitif. Donc, on ne sait toujours pas l'ordre des chansons parce qu'il en rajoute et il en enlève d'une écoute sur l'autre, en fait, en fonction de la réaction du public. C'est incroyable, hein. Son humeur surtout, et puis en même temps, c'est ouais, Bah, il il est névrosé, teste, hein. Le il mec, il teste, est. Non, non, ouais. puis le mec, il est plus que névrosé, il est possédé, il est malade, hein. Mais bon, comme beaucoup d'artistes, ce qui les rend créatifs et ce qui les rend exceptionnels, hein, certainement. Tiens, Mais j'ai une voilà, bonne c'est news ouais, pour toi. il a invité Manson, quoi. Il est encore dans le côté excessif et transgressif. Et Tiens. on a encore ces deux types musicaux qui se rencontrent, voilà. Ouais, tiens, Le j'ai une bonne rap, le news. hip-hop et le métal. J'ai une bonne Vas-y, news pour vas-y. toi. J'ai une bonne news pour toi sur le site vinnytimes.fr. Il y a John Corabi avec son nouveau single Cozy Oh, Bella. mortel, j'adore. Ouais, qui est né d'une session d'écriture hein, faite avec Marty Frederiksen de l'album Burn It Down des Dead Deezees, hein, qui déclare Corabi en tout cas. La news, elle est postée sur le site vinnytimes.fr, n'hésitez pas à la voir. Un petit commentaire à ce sujet? Un petit commentaire, moi j'adore. Moi je suis triste que Corabi ait quitté les Dead Daisies parce que j'adorais ce chanteur. J'étais Ouais. tellement heureuse de l'entendre sur ce catalogue musical-là. Je t'avoue que je suis pas super, super fan de Glenn Hughes. J'accroche pas, quoi. Pourtant, c'est une légende, hein. C'est une légende. Mais voilà, j'appréhende un petit peu. La seule chose que j'attends sur les Dead Daisies, c'est de savoir sur quelle chanson. Doug Aldrich va faire tomber le t-shirt et qu'on verra son nombril, quoi.
Décidément, tu ne s'en sortiras jamais avec toi, avec ça, quoi. Mais grave, mais le belly button de Doug, c'est celui qui a tout initié. C'est lui qui est à l'origine de toute l'histoire du belly button. Allez, tiens, le site vinyltimes.fr, vous retrouverez Chronique, Sortilège, Phoenix, notamment l'album 2021, notamment. Alors, j'ai écouté cet album. Alors, oui, il y a le son, il y a une grosse prod. Les anciens morceaux se font à merveille. Mais alors, par contre, moi, j'ai un souci, quoi. Les deux nouveaux titres, je sais pas, j'ai pas du tout adhéré aux deux nouveaux titres, quoi. Autant tout le reste, c'est fantastique. Mais alors, les deux nouveaux titres, j'ai pas compris. Ouais. Je sais pas. C'est bizarre, hein. Ça fait très bizarre. Autant les anciens titres sont merveilleusement repris, sont très bien imaginés. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un gros boulot là-dessus. La voix de Zouille est géniale là-dessus. Franchement, le mec, il a. Je dirais même qu'il s'est encore amélioré. Alors, je sais pas comment il fait, mais en tout cas, c'est très très belle voix. Mais les deux nouveaux titres, je sais pas, j'ai pas adhéré, quoi. Problème. Alors là, je suis resté. Je sais pas. Je suis resté sur ma fin sur ces. D'ailleurs, c'est là-dessus. Hein. C'est ça qui m'intéressait le plus. Hein. C'est de savoir comment aller justement. Réagir le groupe avec de nouveaux titres parce que les anciens on les connaît, ok, ils ont fait un gros travail de production sur les anciens morceaux, ok, donc tout ça c'est réussi, hein, c'est un plan parfait. Par contre, les deux nouveaux titres, je sais pas, j'ai pas du tout adhéré. Voilà, j'ai pas du tout adhéré. Je me suis dit waouh, j'ai dit là, il va y avoir problème. Moi je suis vachement partagée là-dessus parce qu'en fait, c'est pas du tout mon style musical, c'est pas du tout ma musique, c'est pas du tout le rock ou le métal que j'écoute. Pour moi, enfin, c'est méchant, hein, mais moi je trouve ça super ringard, quoi. Non mais attends, je vais dire un truc, je suis prise au piège. Oui, je sais. Je suis prise au piège, oui. je suis condamnée. Parce que j'ai mon pote à la basse maintenant, j'ai Seb qui est à la basse, et je sais que je vais aller le voir en concert, et je sais que bah, je vais rentrer dedans, et je vais m'éclater, et que je vais sauter partout, et ouais. Je vais dire « merde, je me suis fait avoir, voilà !» Ouais, tu es condamné. Et en fait, j'ai hâte qu'il montre que je me suis trompée depuis longtemps, que je vais m'amuser, que je vais m'éclater, parce qu'en fait, je me faisais avoir aussi quand j'allais sur des concerts de Vulcain, d'ADX, où c'est pas des trucs que j'écoute chez moi finalement, mais qu'une fois que tu y es, bah tu te fais accrocher puis c'est parti mon kiki, tu veux que je te dise quoi, il y a des mélodies parce qu'il y a rien à dire, hein. Il y a des mélodies, ouais voilà. Ouais, tu es et puis tu te fais avoir sur les refrains, voilà, et ça part et c'est parti mon kiki, mais c'est pas quelque chose que j'écouterais spontanément de moi-même, mais voilà, mais ouais, mais tu m'as fait rire franchement, ouais. Quoi, mais tu m'as vraiment fait rire, quoi. Ah, mais non, mais ça va être rigolo. Et puis en fait, j'ai hâte. En fait, j'ai hâte parce que si tu veux, c'est rigolo. Avec Seb, on s'est rencontrés il y a des années à l'époque. Il était journaliste chez MCM. Ouais, ouais. Et en fait, je l'ai connu que du côté journaliste et je ne l'ai jamais vu sur scène. Il a joué dans plein de groupes et je ne l'ai jamais vu sur scène. C'est mon pote et je l'ai jamais vu jouer. Donc j'ai hâte d'enfin pouvoir être là au premier rang et de dire ah, c'est mon pote. Et ça va être cool. Ah, t'as jamais en vu. En plus, il y aura. D'accord. Ah, t'as non, jamais vu Seb. Okay. Mais non. Mais non, c'était non, c'est ça qui est marrant, quoi. Et c'est 20 ans d'amitié et merde, je l'ai jamais vu sur scène, c'est quand même trop con. Et puis en plus, je suis contente parce qu'il y aura notre pote Badi qui sera au son et ça va être cool et ça va être rock and roll. Ouais. D'ailleurs, en parlant de son, t'as vu l'annonce qui a été faite par 6AM ? Non, vas-y. Alors, 6AM, ils teasent à mort, genre ils font des petites photos sur les réseaux où ils sont tous les trois autour d'un petit café, tu sais, machin, on est en train de bosser. Et ils te ressortent une énième compilation putain de bordel de merde. Excuse-moi cette vulgarité. En même temps, on est sur une radio rock, hein, on est sur Vinyl Times, on n'est pas sur France Bleu, Blazizel, tu vois. On est au calme, on est entre nous, on peut parler, on peut dire des gros mots. On est rock'n'roll. Mais merde, les gars, à un moment, si vous vous retrouvez, c'est pas pour faire du crochet, quoi, tu vois. C'est pour faire du son, c'est pour composer, c'est pour jouer et nous amener des nouvelles chansons. Que les compiles, j'en ai ma claque, ouais. Tu vois, mm-hmm. Alors là, ils te font un super teaser. Alors, ça va sortir à peu près en simultané avec le bouquin Les Mémoires de Nicky Six sur ses débuts, son enfance, en fait, tout ce qui l'a amené, toute son histoire familiale, tout ça qui l'a amené vers jusqu'à Motley finalement. Mais tu dis, les gars, à un moment donné, sortez-vous les doigts du fly case et composez, quoi. Voilà, ça éviterait que DJ Ashba nous ressorte encore des singles de techno pourris et on serait content d'avoir du son. J'ai envie d'entendre la voix de James Michael, j'ai envie que ça sonne, j'ai envie de savoir qu'il va y avoir une tournée. Alors même si c'est normalement la prochaine tournée avec Nicky Six, ce sera la tournée des stades aux States avec Motley.
et Def Leppard et compagnie, mais j'aimerais bien qu'ils sortent des choses et qu'ils nous claquent pas une compile, parce que finalement, si tu veux, quand tu vas justement sur toutes ces plateformes de son, t'as que ça des compiles, tu vois, t'écoutes plus les albums en entier, one shot, sauf moi dans ma voiture, parce que j'adore mettre des disques, mais j'ai envie d'avoir du son, là, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de que mes groupes que j'aime, ils produisent des choses. Et puis c'est surtout, j'ai envie que quand ils vont revenir sur scène, ils me fassent pas un medley de ce qui s'est passé avant. J'ai envie d'avoir des nouveautés, quoi. Tu vois, ça fait 2 ans qu'on est coincés chez nous. Les compiles, je me les suis faites toute seule, tu vois. Ouais, il te manque plus que il te manque plus que à monter sur scène et à faire un stand-up. Hein. Alors là, Moi? ouais, toi, ouais, ça c'est Le clair, c'est net. stand-up metal? Un stand-up métal à T'imagines? raconter les news, ouais, voilà, tu parles et Il voilà. s'appellerait, mon stand-up, il s'appellerait Stand Up and Shout! Et je te ferai le comme dans Rockstar Oh là avec là là là, t'as cassé je tous les serais casques. mort. Je crois que là ce soir, y en a plein, ils ont plus d'oreilles là. Allez, donc le site vinytimes.fr que je disais, donc des news concernant Blue Red Saints, Lords of the Black, le nouvel album Alchemy of Souls Part 2, écoutez What Becomes of Us, notamment Orchis, le groupe français, donc nouvel album Away. Ensuite, il y a le podcast, hein, notamment de l'émission du week-end de Last Ride avec notamment le groupe Lusser, Doc, il a fait Spéciale un dessus. dédicace au Attends, attends. Doc. Ah non, Ouais, mais ouais, mais attends. spéciale dédicace au Doc. Attends, Doc, attends. je t'aime d'amour et je te fais un cœur avec les mains. Non, Et, c'est vrai, c'est ouais, vrai. il a fait deux grosses émissions en fait. Ouais, donc la première, alors on va aller dans l'ordre. La première, l'interview avec George Ennis était au top. Ça c'est vrai, c'était vraiment bien quoi. Il n'est pas trop resté sur le Dokken, il est resté très moderne. C'est ce qu'on avait envie aussi parce que la carrière de Dokken, on connaît hein, quand même hein, toutes ces histoires, ces embrouilles, etc. Ses albums, on les a aimés, mais on avait envie de savoir aussi que faisait George Lynch à l'heure actuelle quoi. Il a vraiment donné beaucoup beaucoup d'informations notamment, et puis il participera aussi au prochain United Guitars notamment et donc projet français. Donc très bien quoi tout ça, donc très très bien quoi. George Lynch a donné beaucoup beaucoup de nouvelles. Ensuite dimanche, il était en direct donc avec un des membres du groupe Lusser et vraiment avec le titre White Stories qui est vraiment bien, qui est vraiment bien. J'ai découvert un groupe en tout cas, j'ai découvert un bon single. Il a fait aussi un hommage à Eric Wagner de Trouble, notamment. Donc ça, Ouais. c'était vraiment sympathique aussi, quoi. Trouble, quoi. Et je peux te dire que quand t'écoutes Trouble, t'entends Metallica, je peux te dire. Hein. Là, tu vois où Metallica a été chercher ses idées quand même. Hein. Tu sens, hein. Tu le sens vraiment, quoi. Mais tu sens, ah ouais, ah ouais, non, mais Trouble, c'est quelque chose, quoi. C'est culte, quoi. C'est vraiment culte, quoi. Allez, en même temps, podcast aussi. Donc je dis, hein, tout ça, c'est disponible en podcast sur le site vinytimes.fr. Concernant les deux émissions de Last Ride du week-end, Tesla qui vont sortir aujourd'hui, non, non, qui a sorti le 30 août 91, voilà, c'est ça, l'album Psychotic Supper. Ensuite, Happy Birthday à Roland Grappeau, 62 ans, tu te rappelles de Roland Grappeau? Ouais, Sympa. mais écoute, c'est drôle. Ouais, on l'appelait Roland Crapaud. Mais ça m'a fait super plaisir, en fait, de le revoir. En fait, parce que T'es ça faisait. incroyable. C'est. Ouais, les jeux de mots pourris qu'on faisait à l'époque de Hard Rock Magazine, si tu veux. Ouais. Opeth, tu vois le groupe Opeth? Ouais, bah tu sais quoi, Bah, demain soir, demain Opeth soir, dans ton bain, quoi. ouais, demain soir j'ai Martin Mendez en direct, le bassiste du groupe. Eh ben voilà, vous connaissez la blague, Opeth dans ton bain. On avait aussi Dimmu Borgir qu'on appelait Demi Burger et tout ça, voilà, des jeux de mots bien pourris. Mais en fait, je pense que je vais vraiment travailler le projet de Stand Up and Shout Ouais. et de faire de l'humour métal. Ça n'existe pas, hein, on est Non, ça d'accord. n'existe pas encore, il y a que ouais, Eh vas-y. les gars, je dépose le brevet. N'importe quelle personne qui pique l'idée à partir de cet instant est un voleur. Je lance le concept. Allez, on continue aussi. Donc, dans Conjo's, le Power Trio. Donc, il y a une chronique by Denis Labbé. Et, voilà, ça, c'est. Et Happy Birthday to Tony McAlpine aussi. Voilà pour le site vinitimes.fr. Il y a le concours Sortilège. Alors, je sais pas si le doc a fait gagner son cadeau en tout cas. Mais bon, il y a bien un concours Sortilège. Il y a un truc à gagner. Donc, allez sur le site vinitimes.fr. Il y a un Happy Birthday aussi to Steve Whiteman, 65 ans. Eh ben, eh ouais. Je tiens à envoyer plein de bonnes ondes à Tony McAlpine, qui est un mec en or, qui a traversé une période très très difficile parce qu'il était gravement malade. Ouais. Et avec le système de santé US, ça a été vraiment 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 la merde pour lui. C'est une crème, c'est un mec en or. Mais bah tu vois, lui aussi, je lui fais un gros cœur avec les mains et je lui envoie des bisous bretons, mais du fond du cœur parce que c'est un mec en or. Voilà, je tiens à préciser. Et je suis contente qu'il célèbre encore des anniversaires et je lui en souhaite plein d'autres parce qu'il a traversé des moments vraiment vraiment sombres. Ouais, tiens, en même temps, tiens, en parlant de ça aussi, il y a aussi le tour manager de Queensryche qui s'est posté sur la page de Queensryche. Le tour manager Todd, il est malade et Pamela Moore a fait un crowdfunding pour pouvoir l'aider à soigner, quoi. C'est dingue, hein. Ouais, c'est dingue. En ce moment, c'est terrible, quoi.
Ouais, c'est terrible. Allez, Madame Non, Rock. c'est ouf, Allez, merci beaucoup en tout cas. Je pense que tu as dû vider c'est ton ouf. sac ce soir. Quoi et... Ouais, et puis une pensée quand même pour un des plus grands batteurs de l'histoire du Ah rock, oui. les Rolling Stones, qui ont quand même perdu un grand, Charlie grand, Watts. grand monsieur, Charlie Watts. Ouais, Ouais. là, tout le monde s'accorde pour dire qu'il était dans le top 5, c'est-à-dire que tu sois pop, metal, extrême. Tout le monde a été influencé par le jeu de ce mec. Ils s'accordent tous pour dire que c'était un grand monsieur, un grand musicien. Ouais. Et tous ceux qui l'ont rencontré ont été marqués par la personne, par le personnage, et d'une élégance folle, mais d'une élégance folle. Enfin, c'est voilà, c'est des grands monsieur qui nous quittent. Et je voulais finir là-dessus. C'est pas très esprit Madame Aroc, c'est larmoyant, mais c'est respectueux. C'est du voilà, c'est un grand monsieur. Et écouter sa musique, et écouter son jeu. Et vous passerez une bonne soirée, vous écouterez des bonnes choses. Eh ben Voilà. écoute, on se retrouve la semaine prochaine, Madame Aroc, un bitch. Yeah! Eh, non mais stand up and shout! Ça va être mortel. Mais mon spectacle de stand-up, il va être mortel. Ok, ça Vraiment. marche, ouais. Et alors une dernière C'est où on anecdote débranche la s'il en pile? est un peu. Non, 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 c'est un dernier truc. Alors, juste, bah, c'est pour les connaisseurs et on a John B qui nous écoute. Demain, tu connais le groupe Rammstein? Tu connais le groupe Rammstein? Un petit peu. Ok, tu sais que Rammstein, à la base, c'est une base militaire en Allemagne? D'accord. Demain, on célèbre un très, très triste et dramatique anniversaire. Demain, ce sera les 30 ans d'un crash qu'il y a eu lors d'un meeting aérien sur la base de Rammstein. Alors, est-ce que c'est cette explosion pyrotechnique due au kérosène des Frecce Tricolori, la patrouille italienne qui s'était écrasée, trois avions s'étaient percutés lors d'un meeting aérien? Il y avait eu énormément de blessés, nombreux morts, des familles, lourdement touché, mais voilà, Rammstein, ça me parle autant en musique que pour mon autre passion que tout le monde connaît, qui est l'aéro. Et voilà, demain, 30 ans, le 30e anniversaire de ce drame. Voilà, les avions, c'est pas toujours joli et des fois, c'est dramatique et triste. Donc ce soir, je vais m'écouter du Rammstein et je vais rendre ces flammes positives, mais j'aurai une pensée pour toutes les victimes et les survivants de ce drame qui célèbre ses 30 ans demain. Voilà. Ok, bah merci en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, on continue sur 213 Rock, Vinny Times Classic Rock Radio, le Lorraine Louis Mo, le Beach Fire sur 213 Rock.